Ah bonjour YouTube! Ah bienvenue à vous! On est sur Diablo 3, incroyable! Je sais, ça fait très longtemps qu'on avait commencé cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il se trouve que j'ai acheté le jeu, incroyable. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de continuer, mais on va pas reprendre depuis le début, vous en doutez. On reprend depuis là, on s'était arrêté avec la version d'essai, d'évaluation. Donc après avoir poutré le premier boss. Ce qui se passe, c'est que j'ai changé la classe de mon personnage. Enfin, j'ai pas le même personnage en fait. J'ai pris le paladin en fait, parce que je trouvais ça plus classe, plus joli, plus cool. Et on est avec notre cher ami Johan, qui est un petit peu le Jésus du jeu vidéo. Et Pardon. lui, il maîtrise absolument bien le jeu. Il a fait plein de fois, etc. Donc, ce sera mon guide. Pour m'éclairer dans les endroits sombres, tel le bâton de Gandalf. Bon, voilà, c'est tout. Donc, faut que je me TP sur lui parce que lui, il est déjà parti, je sais pas où. Fou. Et tu joues un croisé, pas un paladin. Ah, donc. Ah, ouais, mais c'est le même délire qu'un Non, paladin, c'est quoi. pas pareil. Paladin, c'était dans Diablo 2. Donc, là, on est dans la salle où on a vaincu le premier boss. Et du coup, bah, c'est là qu'on devait continuer en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quoi le plan? Ah, on avance l'histoire, donc vas-y, avance. Moi, j'avance pas pour pas activer les C'est vrai trucs. que moi, faut, c'est bien du coup de jouer, non, faut que je dis les quêtes et tout. Parce que ce que vous savez pas, c'est que du coup, on a recommencé. Oh! Un écu épais, c'est bien, c'est marrant. Voilà, parce que là, genre, tu vas lui Oh, c'est parler, bien. machin. Enfin, si moi, je voulais bien y aller pour rush, tu vois, mais. Parce que Johan a déjà fait l'histoire des milliards de fois, donc il connaît tout par cœur, mais moi, je connais pas du tout. Du coup, je lui ai dit, bon, par contre, il va falloir qu'on attende et tout, machin. Et en fait, du coup, moi je dois lire toutes les quêtes, donc ça le saoule. J'arrive pas à cliquer dessus! Mais parle-lui, il est Ah, mais là au il est en avant, milieu, il est vous par terre! négociez, elle est un homme. Intéressant. Ah, mais d'accord, en fait, le mec. Mieux. Ah, d'accord, c'est un mec qui est tombé. J'étais. Je me souviens que je tombais. En passant à travers plusieurs niveaux, oui. Je ne suis pas votre ennemi. Je pense. Oui, je suis là pour vous Mais les avertir. ténèbres. Les ténèbres approchent. Mais. Restez calme Il a l'air et ne sympathique m'aide cet homme. pas. T'arrêtes de te TP partout. Attends, il faut qu'on le suive là. Il a l'air d'avoir une petite gastro là. Il se sent pas bien, je crois. Le pauvre. Il a fait une sacrée chute quand même. Bah oui, surtout que tu sais pas qui c'est, mais il fait une sacrée Ah merde. chute. À chaque fois, je me trompe. Je me TP là où je suis déjà en fait. Faut qu'on aille au nouveau Tristan. Ah, il y a une cinématique. Ouais! L'étoile tombée du ciel est un homme. Rien qu'un homme. Je commence à me demander si sa chute est liée à ma croisade. Je vais l'amener au vieux sage, il saura peut-être de quoi il retourne. Eh bien, ça a l'air intéressant. Donc, il faut amener le monsieur étoile au vieux sage. Ça, c'est vraiment Va des lui les parler au vieux vrais noms sage. de RPG. Tu sais, genre le vieux sage et tout. Le mec, il a pas de nom, il s'appelle le vieux sage. Bah non, il s'appelle Descartes Ah, Kane. si, il s'appelle Descartes Ken. Ah, mais oui, c'est lui! Ah, Kane, oui. je vous présente Je vous l'étoile qui est présente tombée du ciel. l'étoile qui est tombée du ciel. Aucun homme ne pourrait survivre à un Oh, tel un tel choc. choc! Un Qui es-tu? guerrier, je crois. Ah, mais il est J'apporte une noir! terrible nouvelle, mais Pardon. je ne me souviens plus. Ton message sera peut-être tout ce qui pourra nous sauver de la destruction qui nous guette. Le mec il dit ton message sera peut-être tout ce qui pourra nous sauver de la destruction, alors que le mec est quand même arrivé en C'est chutant et celui en qui a des trucs. détruisant un patrimoine mondial, quoi. Je veux dire, Oh, un il aurait patrimoine pu tomber mondial, tu n'importe vas où, un mais peu non. fort quand même. Hein? Tu vas un peu fort un patrimoine Je sais mondial pas, quand le même. mec il a quand même détruit une cathédrale, quoi. C'est pas Oh, rien. c'est bon. Bah, Mais tu c'est continues à leur bon. parler là parce que bon, on perd du temps là Ah quand oui, même. merde, faut continuer à lui parler. Ah oui, excuse-moi, ça va. Dis-moi tout ce qui te Dis-moi tout ce qui te reliera revient, du hein. danger. Ah. Donnez-moi. Une chute. Du feu. Mais c'est lui aussi, il parle Une épée lentement. très puissante. Elle faisait partie de ce que j'étais. Nous Je l'ai devons en trois morceaux. absolument retrouver tous les fragments. Les hommes boucs sèment le chaos dans la campagne. Est-ce que ça Les pourrait hommes avoir un boucs. rapport avec l'épée? Mais bien sûr, Quoi? bien Je sais sûr. pas, moi j'ai déjà Tout coupé comme le. Ouais, l'étranger mais je a sais, fait mais ah. changer les morts autour de lui, les fragments. Les hommes Les boucs fragments de n'ont pas l'épée ont besoin de poussé repos. les hommes boucs à la Je folie. vais fouiller leur territoire.
Ouais, tu vas voir les hommes boucs, Non c'est mais alors littéralement des ça, hommes boucs. si c'est pas une phrase complètement what the fuck. Ils ont poussé les hommes boucs à la folie, tu sais. Prof, on aille dans la maison. Ah, faut qu'on prenne le livre. Non, en fait, on n'est pas Jamais je obligé, mais pourrais ça te fera un haut fait. offrir une autre Hein? vie à Ça m'a Léa. pas fait de haut fait. Une vie plus Non, mais normale. Ah, genre, en plus fait, il y tard. a 5 parties ou Hélas, 6, je sais plus. donc là, il tel faut n'est qu'on se pas son destin. retépé. Quand je Cimetière des décéderai, oubliés. Bon, ils sont où les hommes quand t'es boucs? perdu, tu te TP Pourra sur moi. poursuivre mon œuvre. L'avenir du monde est en jeu. L'avenir du monde! Ah, la petite voix, ça avait manqué la voix de Descartes Kane là. Dans ma Bon, dans là, ça va mon être mes chiant. douces oreilles. On va se séparer. Il faut trouver une tanière et aller dans un J'avais endroit rêvé il y a aléatoire. quelque temps Sur la map. que les Khazdra ou Oh Hombuk putain, une bête sauvage! étaient Mais c'est des gros ça! êtres humains à l'origine. Et que ce sont les Vizhereï qui les ont corrompus. Ah, en fait, non, ça les avait moins, Pendant ça. de nombreuses années, ils sont Ah, restés en fait, sages non. et léthargiques. Je les Ce n'est défonce. plus le cas aujourd'hui. Les attaques de Khazdra sont très Il faut faire quoi fréquentes du coup là? et le nombre de leurs victimes Salut. dépasse Faut toute trouver la autre tanière. statistique Et genre là, tu dans vois, les t'es sur registres. moi. Bon, c'est pas optimal. Ah oui, c'est vrai que t'as dit qu'on se séparait. Oui. Ah bah très bien, on va se séparer alors, je vais à droite. Où fait le début de la richesse? Bravo! Chuchu! C'est parce que j'ai eu beaucoup de sous ça. Alors là, C'est avec grave. mon deuxième sort, je peux provoquer les ennemis. Et avec mon premier sort, je peux me rendre. Enfin, pas invincible, Ah, mais avoir alors beaucoup attends. de. Oui. Arrête-toi, fais échappe. On va dans option. Jeu. Attends, je peux pas, je suis en plein combat en Hop. fait. Pourquoi? C'est quoi le problème? Tu verras quand tu te feras faire. Dès que j'ai trouvé la tanière. Ou Là, que il tu attend. l'as trouvée Tu vas me d'ailleurs. raconter une histoire, perfecteur, là, je sens que ça va durer. Ah, c'est pas beau. Ok, alors Les échappe. hommes boucs, c'est pas des hommes castors. Quoi? Je Option. sais pas, t'as dit hyper castor. Jeu. Je. Mode personnalisable dans la colonne de droite au Mode milieu un peu personnalisable. plus vers la fin. Et maintenant Appliquer. du coup t'es plus bloqué genre tes sorts en 1, tu peux les mettre en 2 par exemple. Genre c'est toi qui choisis, tu peux mettre 4 sorts de la même catégorie. C'est pas genre une catégorie sur 1, une catégorie sur 2, une catégorie sur 3, une catégorie sur 4. Bah, je peux pas modifier mes trucs là. Si tu vas dans tes sorts. Ah ouais, Par attends. exemple, en fait, tu vois, t'as secondaire, et d'habitude, tu pouvais mettre que des secondaires. Bah là, par exemple, tu peux mettre des autres choses dans cet emplacement. Je suis pas très clair. Attends, je vais essayer de comprendre ce que tu dis. Parce que je crois que j'ai compris, mais Bah non, je peux pas. Si, mais pas si t'es en combat déjà. Non, mais je suis plus en combat, mais Bon, bref, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Osef, pour l'instant ça me va. En gros, attends, dès qu'on aura trouvé la tanière et qu'on sera pas en combat, voilà, j'ai trouvé. Là, il faut trouver la tanière. TP à la ville, fais T. Et ensuite, TP toi sur moi, en cliquant sur ma bannière. Mais pourquoi je me TP pas sur toi directement? Oui, tu peux faire ça, mais je trouve ça moins chiant que de cliquer droit et faire se téléporter à côté. Ah ouais, Donc là, d'accord, t'es stop, déjà attends, rapide. arrête. Alors Fais oui. S. S. Par exemple, tu vois, tu vas sur ta compétence qui est sur le 1. Ouais. Et là, tu as des flèches à gauche et à droite, et du coup, tu peux sélectionner une autre catégorie pour la mettre ici. Ouais. Ok. Sur celle-ci. Alors qu'avant, tu étais bloqué. Avant, tu pouvais mettre que la catégorie Ah, qui correspond. d'accord. Ok. Oui. Ok, je comprends. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Ah bah si, ça change la vie, mec. Parce que tu vas voir après Ah que oui, t'auras pas. d'accord. Genre Parce des que du fois, coup, tu... dans la même catégorie, il t'en faut 3 par exemple pour survivre. Donc là D'accord, maintenant tu fais ce que ok. tu veux, tu fais ton millimélo. Et même des fois c'est plus agréable, par exemple mon TP, moi je le mets sur clic gauche. Alors que de base, j'aurais pu le mettre que sur 2. C'est-à-dire que je pourrais... Avoir que des trucs défensifs par exemple. Il n'y a aucun intérêt, mais tu pourrais. Et là, du coup, tu choisis vraiment les sorts que tu veux et t'es pas limité à ceux qu'on te propose dans cette catégorie-là. Ouais, mais du coup, j'ai fait une bêtise parce que j'ai changé un truc que je voulais pas changer. Et je sais plus Ah, ce que bah après, c'était. tu. Bah attends, la prochaine fois, dès qu'on les a tués là, bah attends, viens quand même. Attends, parce que du coup, j'ai tout modifié sans faire exprès. Ouais, mais t'inquiète, je m'occupe d'eux, genre c'est juste pour que tu les vois et tout J'admire et. votre ténacité, Et après, à mais la votre ville, démarche a tu folie. changeras tes sorts, tu les remettras correctement. Ah, d'accord, c'est bon, j'ai compris comment ça marchait. Ok, c'est bon, je vais te comprendre comment ça marchait. Donc, moi, je veux garder ça.
Ok, c'est bon. Et Ok, voilà, et d'accord. après tu cliques 1, sur les 2, réponses. d'accord. Clic droit et clic gauche. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, ok. J'ai compris comment ça marche. Ok. Non, mais pour l'instant, mes sorts me vont et c'est bien. Ah, et voilà. Mais ok, d'accord. Je comprenais pas du tout ce que ça faisait en fait, mais c'est bon. Ça, c'est censé être un boss. Non, c'est un. Enfin, C'est un violet, c'est même pas un élite. Alors attends, j'ai chopé un. Oh, il est beau. Ah, ça, c'est du bouclier. Ce qui est juste. Quoi que tu en dises, ce fragment est à moi et je le prends. Je suis Magda et je dirige la cabale. Je ne te laisserai pas faire. Ainsi soit-il. Vas-y là, viens, je vais récupérer le fragment. Ah, attends. Putain, mais j'ai pas encore le meilleur sort du moine, quoi. En fait, heureusement que j'ai pas gardé les mêmes persos, sinon on aurait tous les deux joué moine, ça aurait été un peu triste. Tu te bats, ah, t'avais joué à moine? Oui. Mais tu n'obtiendras jamais le second fragment. Alors là, on va trouver un fragment sur 3 du coup. Ouais. Enfin, si j'arrive à. Il est où en fait, le fragment? Ok, bah, j'ai déjà pris en fait. Ah ouais, d'accord. Et là, on se. Merde. TP à la ville. Je retourne en ville. Je retourne en ville. Je retourne en ville. Ok, donc là, on apporte le premier fragment à Descartes. Descartes Quint. Voilà un fragment de l'épée. Elle était en la possession d'une sorcière et de ses disciples. Oncle Descartes. Tu penses que c'est cette secte noire dont tu m'avais parlé? Ah bah oui, évidemment, c'est toujours des sectes noires. Hein. Tu as bien retenu mes leçons. Oh, tu as bien retenu mes leçons, petite salope. Bouclier collatéral. Pourquoi en fait il me donne un objet? Genre, pour me remercier de ma quête, il me donne des objets que j'ai déjà ramassés dans la quête, quoi. Mais va parler à Léa. Artisanat. Attends, je veux d'abord vendre des trucs qui me servent à rien. En recycler. Ouais, pardon. Je peux pas vendre ça. Recycler, pardon. Putain, mais en fait, j'ai un objet hyper vachement mieux que j'avais oublié de mettre. Ça, c'est vachement, hyper vachement mieux que ça. Ah, mais fait. Tu t'en fous, mec, à ce niveau-là, tu je sais pas. Tu peux partir nu. Surtout qu'on n'a pas augmenté la difficulté là, on est encore en normal. D'ailleurs, on va le faire, je pense. À côté du bois putride. Exactement. Exactement. J'adore la voix de connaissances pourraient se révéler précieuses. Ah, du coup, elle vient avec nous l'autre. Dotée de pouvoirs formidables. D'après la légende, ils auraient livré une bataille terrible près du temple et leurs fantômes continuent à s'affronter. Je vais les arrêter. Attends, c'est ça les. Ah, je clique sur le truc de TP. Oh non. Ah non, c'est des bondisseurs. Mais j'ai pas vu les hommes chèvres là, je sais pas quoi là. Ah bah si, mec, on en a croisé de partout. Ah bon? Merde, je m'avais attention. Là, dans les champs du malheur, il y en a de partout. Il y a du clan de la lune. Ah, c'est ça les hommes book. Bah oui, mec, c'est des hommes book. Ah, je sais pas, c'est pas marqué hommes book, c'est marqué guerrier de ta race là. Ah, mais t'as vu leur gueule? Ah bah oui, là, j'ai capté que c'était des hommes book. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Les hommes book. Les. Ils sont vraiment moches. Ces hommes book. De l'argent. L'argent des abonnés. Frappe si expérience augmentée. Venez encore sur un moi. Peu. Allez, toi, viens sur moi en fait. J'ai. Enfin. Bah oui, mais attends, je tape des mais trucs tu t'en quoi. Fous des mobs, t'es pas obligé de tous les tuer. Mais si, il faut nettoyer non, la terre de ces impies. La map, putain. Il faut nettoyer la terre de ces impies, Johan. Ce sont des hérétiques. Et les hérétiques, on les tue. Dès que tu l'as, tu prends ton poney par contre. Hein. Des voleurs vont tuer mon ami si nous ne faisons rien. Pourquoi s'en prennent-ils à votre ami? Oh, ce n'est que la fille d'un fermier, une certaine Sacha, dont j'ai récemment fait la connaissance. Une certaine Sacha, comment il l'a dit quoi. Allez, c'est surtout une relique qui explique la convoitise. De quoi? C'était surtout ce qui était après qui était intéressant. Relâchez cette femme. Oui, bah elle a l'épée quoi, enfin elle a le fragment. Vous croyez vraiment aux salades de ce brigand? Ah ouais. Très bien, bande d'idiots. Vous allez y passer tous les deux. T'en as pas marre de tourner autour d'eux en attendant qu'ils soient tapables. Espèce de vieux requin là. On les a niqués! Ah non, il y en a encore un. Ils se battent même plus, tu sais. Ils ont trop peur.
Hey, mais j'étais venu sur toi exprès parce que je suis. Vas-y, tape-moi moi. Ça m'est battu les couilles. Complètement. À mort. Tu vas pas t'en tirer comme ça. La guilde des voleurs va te retrouver. Non, mais la guilde des voleurs, on lui pisse dessus, mon gars. Oh, calme-toi. Dans ce qui arrive, la guilde des voleurs, voilà quoi. Ouais, bien sûr, mais là, on, là en l'occurrence, on lui pisse dessus. Je commence à avoir de la gueule. Ouais, mais va lui parler. Mais putain, mais je sais plus, arrête. Mec, regarde ta carte. Sacha. De quelque chose, mais bientôt nous serons mariés et ça n'aura plus aucune importance. Vite que l'éclair, ma belle. Bientôt, nous mènerons une vie paisible, rythmée par le labour des champs et les braillements des morts. Des morts. des bambins. Ok, j'ai des bottes. Oui, on sait, le chemin est semé d'embûches, tout ça. Oui. On y va maintenant ? On y va maintenant ? Allez, là, on y va, là, il faut des trucs à récupérer. Là, Yoann, il va encore s'impatienter. Regardez-le, il se TP. Il en bah, j'aimerais bien qu'on avance, quoi. À l'attaque ! Non, mais il faut bien que je profite de l'histoire, moi. Oui, je sais, mais justement, t'en profites pas, tu parles même pas, genre, t'attends. Mais oui, mais j'essaie d'écouter en même temps. Une tête à convoler. Ah, au fait, je me que les écrits disent d'Alaric et de son temple n'a rien d'encourageant. Tu dois être Alaric le Veilleur. Mon oncle m'a parlé de ta veille éternelle sur cet endroit maudit. Êtes-vous des Néphalem ? Non. Les Néphalem ont disparu. Ils ont disparu depuis des années. Ah, super. C'est également une légende. Vous voudriez pénétrer dans le temple, mais seuls les Néphalem y sont admis. Si vous retrouvez les clés de nos autres tombeaux et les rapportez aux portes du temple, suivez-moi. Suivez-moi. C'est toi qui passes la discussion. Ah oui. Pourquoi ? Ah, parce que je lis en fait. T'as lu. Oui. Le repos du guerrier et la crypte des anciens. Que là on l'entend plus par exemple. C'est pas grave. T'entends pas tous les dialogues là. J'ai une toute petite épée, c'est tellement ridicule. C'est même pas une épée que j'ai, c'est notre un glaive ou je sais pas quoi mais. Bah tu peux aller voir, c'est son dial au. Ouais. Ah, à gauche. Moi par exemple j'ai une dague. Non. Je sais pas ce que c'est. Ah si c'est une dague. Ouais, c'est pour ça que c'est tout petit. Ah la tâche! Vas-y, viens là. Là où je suis. J'ai mis un point sur la carte. Repoussez-les, mes frères! Tais-toi! Créature moche et qui pue. Ouh. Je peux le téléporter à côté bon de toi, endroit. Ça va plus vite. Hein? Mais non, viens, t'es à côté. Regarde sur la carte. Salut! Coucou! Le mec est trop feignant. Là, tu vas voir un Ofek, je crois. Ah bon? Bah, en fait, il y a un Ofek pour tous les trucs en coop. Les événements spécifiques. C'est le traître! Voilà. Ofek! Les âmes sont retenues. La guerre éternelle. J'ai étudié ces batailles dans les livres d'oncle Descartes, mais y assister en vrai est ouais. Pire. L'onde de lumière. C'est fantastique. Ouais. Ça me rappelle quand j'étais petite et que je cherchais des reliques perdues avec oncle Descartes. L'autre est en train de dire c'est fantastique, ça me rappelle. Alors qu'elle est en plein combat, que tout le monde se fout sur la gueule, et puis elle est en mode c'est fantastique. Alors, comment te dire regarde, que... regarde. Il y a une cloche maintenant. Ouais, j'ai vu ça. C'est une sacrée belle cloche. Venez par là, vous. C'est comme ça, non? Putain, ce bordel. J'ai pris le truc, non? Ouais. Allez. Tu peux aller en bas? Non. Il y a non, faut trouver l'autre, on a trouvé celle de gauche, faut trouver celle de droite. Non, c'est l'inverse, on a trouvé celle de droite, faut trouver celle de gauche. Le mec qui connaît bien sa gauche et sa droite. Et du coup là on a récupéré un des fragments d'épée. Non.
regarde les témoins de l'honneur pour pouvoir rentrer dans la pièce. Ah, Kados, ça fait plaisir. De quoi du coup? Excuse-moi. Bah regarde à droite, t'as les quêtes, c'est comme dans vous, c'est oui, au même endroit. Ah non mais mec, vous... Non, bon, ça va, ça va pas changer dans vous. Je vais remettre un jour, ce serait cool. Ça serait bien quand même. Avec mon oncle Descartes, là. On a passé des années à explorer des endroits comme celui-là. Pardon. Ça me rappelle plein de souvenirs. Mais en fait, elle parle trop doucement, j'entends rien de ce qu'elle dit l'autre. Alors en fait, elle raconte sa vie, on s'en bat les couilles, non? Elle est déjà en train de raconter que ça fait des années qu'elle explore ce lieu et tout, on s'en fout quoi. Oui, mais la plupart du temps, on s'en fout quand elle parle. Attention, on s'approche dangereusement d'un petit. De trucs misogynes là, il faut arrêter. Attends, il y a une arbalète, je peux l'utiliser. Elle comme les autres, hein. En fait, tous les PNJ, quand t'es en train de marcher et qu'ils te parlent, c'est des trucs aléatoires, tu vois, c'est pas des vrais trucs. Johan? Oui. On a la même arme. Ah ouais? Oui, attends, après ça, on s'arrête 2 minutes pour se la montrer, ok? ça devient très étrange. On se la montre! Ah. J'ai atteint le niveau 12! J'ai vraiment rien. Ils font pas encore mal. Compétence active débloquée. Alors ça, tu vois, il faut prendre le réflexe tout de suite. Tiens, regarde. Ah oui. Oh là là! Fais voir. Merci Kirby1403 pour le follow, bienvenue à toi. C'est bien d'être bourré. Alors. Attends. Parce que du coup, comment ça se passe quand on gagne un niveau déjà dans le jeu? C'est les compétences, c'est ça? Nouveau. J'ai quoi? La mienne, elle est meilleure. Vous fouettez vos ennemis dans les 30 mètres à l'aide de chaînes sacrées qui infligent d'importants dégâts. Alors ça me plaît, ça. Ça me plaît parce que. C'est le fouetté qui te plaît. Ah bah là, oui, là ça me plaît. Vas-y, tiens, récupère ça. Vous invoquez un marteau béni qui tourne autour de vous. Ah, c'est ça que tu me disais là qui est marrant. Ouais. Le marteau en général, c'est le truc des bas niveaux, c'est le build marteau béni. Tiens, récupère ce que je t'ai jeté par terre. Ouais, 2 secondes. La lumière jaillit de votre bouclier. Alors, ça, ok, ça je peux le. Je vais garder ça quand même. Et du coup, le. Merde! Compétence, deuxième. Je peux pas l'utiliser. Ah, d'accord, ok. Chaîne, je sais pas, attaque, c'est en flamme. Je vais essayer ça. Alors, ça donne quoi? Ah oui, d'accord. Ah, très bien. D'accord, ok. Ça me plaît. Et bah, bien. Donc là, c'est bon. On a... Maintenant, il faut placer les témoins sur un piédestal. Ouais. Ok, le mec s'est barré, quoi. Ah, faut retourner en ville. Oui, non, en fait, faut retourner au gars, sauf que c'est plus court de retourner en ville, de se TP. Ah oui, de se re-TP, machin, et tout. Ok, ouais. D'accord, je comprends. Ok, je comprends. Non mais ça va, je commence à percuter, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Et du coup là, hop. On retourne au temple Olti. Non, pas du tout. C'est pas au temple Olti qu'il fallait aller. Si. Bon. Bon, ça va alors. Padadap. Padadadam. Ah oui, d'accord, faut que je les pose là à droite et à gauche. Tout à fait. Ah. Premier fragment placé. Pourquoi je sens que ça va tout casser? Pénétrer dans le temple englouti. Eh bien, pénétrons, mon cher Johan. Allons-y. Ah, je me sens très très pénétreur là. Très englouti. Ah, je les fouette. Ah tiens! En fait, du coup, mes deux capacités elles vont pas du tout ensemble. Parce qu'il y en a une qui est à distance et l'autre qui devrait être. Encore, encore! Donc, ça n'a pas de sens. Ouais, je change ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens! Levez-vous, mes frères. Ah, attends, vous le tapez, c'est ça? Ah non, voici. Ah oui, d'accord, il vénère lui. Bah, il a dit levez-vous, mes frères. Hein. Ah ouais, mais bah, je vois ça, mais bon. Il a une grande famille, quoi. Apparemment, il a pas l'air de tout seul. Il a déstabilé et tout, putain. Il est pas tout seul. Vas-y, attends. Compétence, du coup, ça, il faut remettre ça et je vais l'améliorer. Ok, ça me plaît. Là, ça me plaît. Là, oui. C'est quoi ça? Je dis oui. C'est de la merde. C'est de la grosse daube comme objet. Je ne prends pas. Point de souvenir. Ah, mais ils ont des problèmes avec la pénétration dans ce jeu en fait.
noble. Ah, elle est encore là, l'autre. Qui s'est frayé un chemin. Ah ouais, mais t'inquiète pas, on va l'avoir longtemps, elle. Que la mort. Je sais que c'est pas que je dis ça, mais. Et qui est cette fille avec vous? Mais peu importe. Ah, venez les moches. Tiens. Oula. Ouais, mais là je peux pas t'aider mon grand. Putain, elle est un qu'est-ce peu vénère là. Qu'est-ce que dire au sujet de ma mère? Est-ce qu'elle serait vivante après tant d'années? Mais je suis sûr que c'est ta mère, connasse. Oh. Oh, damn, oh. Révélation, boum. Attendez, fragment d'épée étincelant. Et là. La pierre monde a été altérée. Nos enfants naissent faibles et sont affligés de vie ridiculement brève. Du coup, faut rentrer là. Ouais, mais attends qu'il les finisse pas. Je sais pas, c'est toi qui veux les. Elle n'a fait que les changer en créatures difformes. C'est pas vrai. Et les retourner contre nous. Nous mourrons peut-être, mais pas avant qu'elle ne soit renvoyée aux enfers. Et donc, ils sont vénères. Allez, j'ai gagné. Je te baisse. Pardon. T'es déçu. Voilà le second fragment de l'épée. Magda recherche donc le troisième maintenant. Je me souviens. Une traînée lumineuse, un village de bateaux. Une traînée. Hein. Pénétration, traînée. Pénétration, une traînée. Tu as raison, Léa. Il doit s'agir de Wartham. Il y a un bac pour s'y rendre depuis Tristram. Il y a un bac de s'y rendre, pour s'y rendre depuis Tristram, c'est super. Ah moi qui vois, elle est déjà partie. Non mais sérieux, t'es insupportable. Attends. Ouais, mais de toute façon, je leur parle pas. Ouais, mais je leur parle pas. J'ai pas le temps de tout faire. C'est quoi c'est quoi les resellers? Ils servent à quoi? Ils servent à rien. Tu peux pas leur vendre des trucs aussi? Si, mais ça sert à rien. C'est plus worth it de... Ouais. Je vois. De recycler. Qu'est-ce qu'on est beau à couvrir comme ça? Allez, moi j'ai des ailes. Salut! Je veux bien vous emmener, mais soyez sur vos gardes. On s'en fout! On est des mecs avec des épées! Enfin, des dagues. Ça fait péder un peu en fait. Genre, regarde-moi. Avec ma putain d'armure, mon putain de bouclier de ouf, et j'ai une petite épée toute naze. Ça fait un peu. Un peu chelou, non? Et ben, il y a. Comment il s'appelle? Thibaut Laura qui dit qu'il est pas mal ton stream. Thibaut Laura? Ouais. C'est qui? Ah ouais! Dans ce sens-là! Ah oui, je vois. Mais là, attendez, il m'a fait rire parce que la dernière fois, il m'a fait: ah, mon frère, elle a joué avec toi à Minecraft, tout. Je fais: non. Si, non, je sais plus. Franchement, je me souviens de rien du tout, quoi. Ah, attaque! Il fait pas mal le script de Thomas, je lui fais ah tu regardes, il fait ouais vite fait. Pardon. Des fois ça m'arrive dimanche quand j'ai pas le temps. Attaque! Jusqu'à la mort! Ah. Le mec, il y a un point sur la map, il va l'opposer. Mais il y a des vieilles qui me font dessus. On s'en fout des vieilles. Mais non, il faut rétablir l'ordre. L'ordre et la sécurité, je sais pas, genre il y a des vieilles, je les défonce, c'est tout. Je sais pas, regarde-moi ça là, elles foutent la panique partout dans le village. Allez crever les vieilles. Ouvrez les vieilles! Oh. Encore elle? Bah en fait, ça fait deux fois qu'on t'en empêche, alors excuse-moi, mais. T'es un peu nul, non? Bah non, écoute, si elle nous tue et qu'elle récupère tous les fragments. Attends, mais. Toujours pas perdu de vie, moi, depuis le début du jeu. Normal, je t'ai dit, on a la difficulté la plus simple là pour découvrir. Oui, la découverte! Val! L'argent, alors premier truc à apprendre, le réflexe c'est sortir des explosions, Thomas. Il y a des explosions, tu sors. Pas encore. Des explosions? Ah bah oui, au sol, genre tu l'as pas vu la lave. Faut détruire les moches. Faut tout détruire. Alors, nouvelle compétence active. Alors attends, compétence. J'ai une nouvelle compétence, c'est quoi ça? Nouvelle compétence passive disponible au niveau 30. Ah oui, cliquez pour choisir une compétence passive, ah d'accord. Ah t'en avais pas? Bah je sais pas, j'avais pas fait attention, ça clignotait. Tant que vous maniez une arme à une main, votre vitesse d'attaque est augmentée de 15%. Ok. Vous pouvez utiliser une arme à deux mains tout en utilisant un bouclier dans votre main de gauche. Ah ça c'est bien ça. Ah ouais, ça c'est trop bien ça. Vas-y go. Ça bah, ça en fait, mais en fait ça c'est trop cool, mais le problème c'est que du coup croisé, bah finalement t'as que 3 passifs, t'en as pas 4. Parce que lui t'es obligé de le prendre.
Ok, bon, j'ai pas un truc qui va te plaire, Johan. Voilà, tout le temps. Et dès que tu l'as en Une chance, la CD, garde enfin allumée hors est CD, tombée du ciel. boum. L'auriez-vous vue? J'ai plein Bien là sur de moi. trouvée il y a quelques jours. C'est là qu'on va rentrer. Je regrette de l'avoir apportée ici. Il n'y avait pas de niveau Venez, nécessaire pour je l'ai utiliser cet confiée à objet. quelqu'un. Oh. Nous serons bien contents Oh, d'en être débarrassés. tristesse. Je dois retourner à Mais du coup, j'ai Tristan. jeté mes armes à deux Si mains on que j'avais. va bien. Fallait où à deux mains? Ah non. C'est grave, mais mec, tu te rends compte que d'ici la fin même juste du chapitre, enfin de l'acte, Oui. tu Ah, auras c'est pas là changé qu'il faut que j'aille. 50 fois de stuff. Wouhou! Le poney! C'est trop bien! Ah merde, mais t'étais pas là. Non! Bon, en gros, l'épée Moi, était le censée poney être a là, en demeuré. sécurité, Mais elle et est pas là. Magda, elle est arrivée, elle a fait « Ah, je t'ai bien vu !» Et pendant que t'es ici, je suis en train de niquer tes potes à la ville. Oh, à Tristan? Ouais. Oh, elle les a tous enlevés! Sauf le forgeron. Forgeron est encore à la Vas-y, vie. entre dans la maison de Cain. Ah mais attends, il faut que je vende mes bordels, mon bordel. Et tu peux faire ça après, tant que t'es pas full, c'est Non, bon, t'es pas non, non! l'esclavage. Oh putain, le mec relou! L'argent! Et ça te fait pas d'argent, ça te fait juste des matériaux. C'est pas grave. Les matériaux. Et surtout que ces matériaux-là, tu vas t'en battre les couilles vite. C'est pas grave. Arrête! Va dans la C'est maison. bon! Maison de Cain. Bah ça va, ils ont pas l'air trop violents. Événement, la fin des Aura Dream. Temps restant 55 secondes. Ah. Notre groupe sera téléporté, tout le monde aura Mais accepté l'invitation. accepter, Je fais quoi? J'ai accepté? accepter. Oui. Tant que tu m'es pas accepté, ça me propose pas à moi. Ah! C'est une cinématique moche. À toi de choisir, Kane. Ou tu fais appel au savoir des Aura Dream pour réparer l'épée, ou ta chère petite Léa meurt dans d'atroces souffrances. Toute cette Ah, toute cette cruauté! Ah bon! Mais que représente l'épée pour vous? Alors? Pour moi, rien. Pour mon maître Bélial, absolument tout. Ah, évidemment, elle a un maître, il fallait pas penser 2 minutes qu'une femme seule pouvait enfin, maîtriser le monde, quoi. Et après, Forcément. c'est moi qui étais à deux doigts de la misogynie. Mais ouais, mais elle a pété un câble ou quoi Tes là? colères sont spectaculaires, petite. Vous gagnez cette manche. Mais si je ne peux pas avoir l'épée. Personne ne l'aura. Alors je prends celui à qui elle appartient. L'épée sera à moi. Putain, mais on dirait une. Oncle Descartes. On dirait une gamine de 8 ans avec ses caprices. L'épée sera à moi. C'est mon épée. Déjà, c'est. Non, mais déjà de base, c'est un papillon, tu sais, donc. C'est vrai. Ce qu'il est de lumière est sous les projecteurs. Malheureusement. Ah oui. Il faut reforger l'épée. Eh bah, ben, non, les forgerons. Ah non! Ah d'accord! C'est ça qu'elle voulait qu'il fasse depuis le début. Il faut reforger l'épée. Pouf! Ah oui, d'accord. Ça fait pas plouf par contre. Lisez mon journal, il contient la vérité. Non mais regardez, on dirait un vieux youtubeur en rade de vue, quoi. Likez ma vidéo pour que je sois dans les tendances YouTube. Et il meurt. Il meurt? Oui. Il est mort? Il a tout donné pour. Bah ouais, mais quand c'est pas ton métier aussi, Non mais mec, bon c'était pas. cher triste. Dis pas ça comme ça, genre c'est cher Mais triste. non, mec, il a essayé de réparer une épée alors qu'il est pas forgeron. C'est un voleur. Non mais mec, genre c'est des carcanes quoi. Descartes, Kane. Bon. Les gens de YouTube, on fait des bisous? Ah, on vous fait des bisous. Tu leur fais des bisous ou pas? Bon bah un bisou, j'ai pas trop le choix Ah, donc. super. On arrête l'épisode ici. Salut. Oui. Pouce vert, sinon des vieux vont forger des épées et mourir.